Les documents sont là. Hada, c'est un rapport officiel. Ce n'est pas moi qui l'a dressé. C'est pas moi qui l'a établi. Comme d'habitude, comme le veut la tradition via Algérie Part, vous allez voir l'émission en live. Ensuite, nous allons rediffuser l'émission à travers un montage des infographies pour que vous puissiez voir les infographies, les tableaux, les documents de manière beaucoup plus professionnelle. Vous puissiez l'apprécier, le consulter. Blocanana en live. Donc, on va faire un peu la méthode artisanale. C'est-à-dire, on imprime le document et on vous le montre. Hadel document, c'est un document qui a été dressé par la direction générale des douanes algériennes. Plus exactement, au niveau de la direction générale des douanes algériennes, il y a plus exactement un service qui est chargé chaque année de faire ce qu'on appelle la prospective et de dresser les bilans du commerce extérieur de l'Algérie. Le commerce extérieur, ça veut dire, encore une fois, qu'est-ce que nous avons acheté, tout ce que nous avons dépensé comme argent pour exporter, qu'est-ce que nous avons gagné au niveau grâce aux exportations, et qu'est-ce que nous avons perdu, ou là, qu'est-ce que nous avons dépensé plutôt grâce aux importations. Donc, regardez le document là que je vais faire, d'accord? Il fait des dizaines, mais vraiment des dizaines de pages. On va aller étape par étape où vous allez comprendre de quoi il s'agit. Alors, c'est la Direction Générale des Douanes Algériennes à travers la Direction des Études et de la Prospective. Voilà, ça s'appelle la Direction des Études et de la Prospective de la Direction Générale des Douanes Algériennes. Nous saluons d'ailleurs les employés de cette Direction des Études et de la Prospective, grâce à qui nous avons des chiffres officiels sur le commerce extérieur, encore une fois, sur toutes les opérations d'importation et d'exportation de l'Algérie. Donc, قبل ما نبداو يا جماعة لازم تعرفوا نعطيكم بعض الأرقام باش تعرفوا مليح هذا لو طابلو هذا لو طابلو par exemple ce premier document résume un peu les chiffres clés. Si les exportations malheureusement ont reculé de plus de 34,82% en 2020, هنا c'est le هذا c'est le 11 mois les 11 mois de l'année 2020. Et le document qui est en notre possession sur lequel on va travailler ce soir, c'est les 11 mois de l'année 2020. C'est pas que le mois de décembre, mais il n'y a pas beaucoup de différence parce que le mois de décembre, il va avoir une augmentation. Ça, il y aura des rajouts très légers puisque tous les chiffres des 11 mois de l'année 2020, ils ont été mis, calculés, vérifiés, déterminés, précisés dans ce document. Alors, les chiffres clés, je t'en informe, les 2020, les exportations taïwanaises ont diminué de plus de 34,82%. Nous avons perdu pratiquement, au niveau des hydrocarbures, on va en parler, plus de, les exportations générales, nous avons perdu entre 11 jusqu'à 12 milliards de dollars entre 2020 et 2019. Les importations ont reculé de plus de 18% et nous avons économisé pratiquement 7 milliards de dollars. Et 7 milliards de dollars d'économie que nous avons fait sur la réduction des importations. Et ce sera l'objectif de cette émission, parce que on a réussi, on a diminué pratiquement nos importations de 18% et quelques, même pas 19%, alors que l'objectif était beaucoup plus ambitieux que cela. Nous en avons parlé tout à l'heure et nous avons économisé 7 milliards de dollars plus exactement. 7 milliards de dollars, nous avons donc gagné de l'argent. Malheureusement, il n'y a pas de quoi se réjouir parce qu'on aurait pu faire nettement mieux, mais beaucoup mieux. Mais malheureusement, nous ne l'avons pas fait. Et avant de commencer à analyser ensemble les tableaux et les chiffres, retenez d'abord quelques dates. On va retenir d'abord quelques dates. Vous savez où les dates? Et dans la Kouchavine, le 22 mars 2020, Abdelmadjid Tebboune, le Conseil des ministres, au Kalham, pour réduire, pour que le pays résiste aux effets de la crise du coronavirus Covid-19, avec la crise financière mondiale, il y a la crise sanitaire qui était une crise financière, la crise financière, le choc extérieur que l'Algérie auquel elle a été exposée dans la mesure où la pandémie elle a ralenti l'économie mondiale et elle a tout simplement créé un choc économique international inédit.
نضل نقول لكم وانا نقولها لكم لازم نعاودها لكم باللي لي لا لا نو فيفون اون سو مومون نو سوم لي تيموان دو لا كريز سانيتير لا بلوز امبورطونت دو سي de ces 100 dernières années, et nous sommes les témoins et les victimes aussi de la crise financière la plus importante de ces 100 dernières années. Le 22 mars 2020, Abdelmadjid Tebboune a pas quelques instructions. Il faut absolument réduire les importations. Il faut les réduire de 41 milliards de dollars à 31 milliards de dollars. C'est vrai qu'on va dire le Kemeloha, les dates, on fait la vérification des faits. Est-ce que ce que Tebboune a annoncé, est-ce que ça a été vrai ou là là là? Mais le 15 juin 2020, Tebboune, dans un autre conseil des ministres, il a ordonné de réduire totalement la facture des importations alimentaires. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que le problème de nos importations, c'est les importations alimentaires. Tous les pays du monde importent et exportent. Sauf que nous, nous avons une facture des importations alimentaires qui est très importante. Il a demandé sa réduction le 15 juin 2020. Il a même demandé le 15 juin 2020 la suspension de l'importation de tous les produits agricoles pendant les saisons de la cuette. Au cas où tous les produits agricoles qui sont importés, produits en Algérie, il ne faut pas les importer. Et tous les produits alimentaires qui sont produits en Algérie, il ne faut pas importer. Donc, Tebboune, il a pris deux engagements. L'engagement de l'Ouel, il n'accasse les importations de 41 jusqu'à 31 milliards de dollars, où il n'accasse la facture des produits alimentaires, où il n'accasse carrément, il y a une suspension de l'importation des produits agricoles qu'on peut produire en Algérie, qu'on peut cueillir en Algérie, et l'annulation des produits, de l'importation des produits alimentaires que l'Algérie peut produire. Donc, ça, c'était ce que Tebboune a promis de faire. Maintenant, qu'est-ce qui nous apprennent les chiffres? Nous aimons les chiffres parce que l'Alqam est très important. C'est vrai que nos importations ont le 31 milliards de dollars. Pas vraiment ça. Nous avons importé plus de 31 milliards de dollars. Grippe 32 milliards de dollars. Donc, l'objectif de ramener les importations sous la barre des 31 milliards de dollars n'a pas été atteint. Mais maintenant, on dit un bon point. On dit que nous avons baissé les importations. Les canaux, fait 2019, entre 40 à 41 milliards de dollars, Habotnaham, 32, Goulouraham, 32. Ils sont à 31 et quelques, entre 32, presque 33 milliards de dollars. Maïlinech, Naksou. Naksou, l'équivalent de 7 milliards de dollars. C'est un objectif qu'un écolique bien. Oui, mais attention, ce n'est pas la réduction. C'est ça où la manipulation va entrer. La réduction des importations d'Algérie n'a pas été, ce n'est pas le fruit d'une production nationale et ce n'est pas le fruit d'une politique rationnelle économique. Ça veut dire que les importations d'Algérie, parce que le monde, parce que traîne dans une période de confinement sanitaire et traîne dans une période de perturbation de la production mondiale, ce qui fait que certains produits, nous ne les avons pas importés. Par exemple, les carburants, l'Algérie, l'année 2020, n'a pas beaucoup importé. C'est normal qu'elle n'a pas beaucoup importé. Pourquoi? Parce qu'il y avait le confinement sanitaire. Du mois de mars jusqu'au mois de mai, juin, aucune circulation pratiquement. Les transports en commun, Habsou. Mazel, les transports interwilaya, Kadou, jusqu'à la rentrée sociale, au Mazel, au Hamsin. Le train n'a pas repris jusqu'à vers la fin de l'année. Le tramway et les métros n'ont pas beaucoup repris. Le trafic aérien n'a pas du tout repris. Parce que, mis à part les lignes intérieures, vers le troisième trimestre de l'année 2020, il a repris juste vers le troisième trimestre de l'année 2020, c'est-à-dire pendant toute l'année 2020 pratiquement, pendant les trois trimestres de l'année 2020, il n'y avait pas beaucoup de transport en commun, il n'y avait pas de trafic aérien, pas de bus interwilaya. Donc tout ça, la consommation interne des carburants a diminué. Donc il n'y avait pas la nécessité d'importer. Donc ce n'est pas un choix. Nous n'avons pas diminué l'importation des carburants parce que nous avons produit nous-mêmes ces carburants. Nous avons diminué l'importation des carburants parce qu'il y avait le confinement sanitaire. Et le pays n'a pas beaucoup utilisé les transports en commun, ni les transports collectifs, l'avion kérosène, ni le train, ni le métro, etc. Tout ce qui roule avec le combustible.
Et les voitures ont beaucoup roulé, ont beaucoup moins roulé en 2020 qu'en 2019. D'ailleurs, Naftal a perdu pratiquement 50% de son chiffre d'affaires parce qu'elle a réduit ses ventes d'entre 40 à 45%. Ses ventes ont été réduites de 40 à 45%. Yani, les Algériens ont consommé 40 à 45% de moins, de carburant en moins par rapport à l'année 2020. La consommation des Algériens en carburant, la consommation des Algériens de carburant, en matière de carburant, a diminué de pratiquement de 40 à 45% par rapport à l'année 2020. Donc c'est normal que nous n'avons pas beaucoup importé. Donc les importations naqsou, oui, mais ce n'était pas un effort industriel ou un effort managériel ou là une bonne décision. Mais qui chevaux? Quand on va analyser la structure de nos importations, chevaux blés. Mais pire encore, nous avons l'exemple de la facture alimentaire. La facture des importations des produits alimentaires. Tebboun le 15 juin, il s'est engagé à la réduire. Tebboun le 15 juin, il s'est engagé à supprimer ou à annuler ou à arrêter l'importation des produits agricoles qu'on peut cueillir ou qu'on peut fabriquer en Algérie. Tebboun, 15 juin 2020, il s'est engagé à arrêter l'importation de tous les produits alimentaires qui viennent de l'étranger. Et bien, la facture alimentaire, je m'en ai fait 2000, haoulek le tableau, la preuve qui prouve, la facture de l'importation des produits alimentaires, elle a augmenté en 2020 par rapport à 2019. Yani, nous avons importé beaucoup plus de nourriture et beaucoup plus de produits alimentaires fait 2020, puis bon, qu'en 2019, normalement, nous sommes en crise. Hagda. Nous sommes d'ailleurs le plus grand pays d'Afrique. Hagda. Même il y a le territoire Terna fait 84% du désert. Il est composé de 84% de désert. Même les zones désertiques, il n'y a absolument un potentiel agricole. D'ailleurs, le 15 juin 2020, l'État algérien, il a créé l'Office du développement de l'agriculture saharienne. Il a créé un office spécialement pour le développement de l'agriculture saharienne. C'est un office qui a été créé pratiquement, où d'ailleurs, on a un budget, où on a fait des droits, où on va réduire les importations agricoles grâce à cet office-là. Bon, c'est l'office, mais je n'ai pas fait. Ça a été fait, mais je n'ai pas fait. La preuve, c'est l'année. Il a fait 2019. Nous avons importé 7,317 milliards de dollars. Had l'an 2020, l'an fait, nous avons importé 7,363 millions de dollars. C'est-à-dire que la facture des importations alimentaires, elle est plus élevée que elle est légèrement plus élevée. Mais à l'époque, en 2019, il n'y avait pas la crise financière, elle n'était pas aussi importante qu'en 2020. En 2019, il n'y avait pas la pandémie de la Covid-19. Donc, logiquement, normalement, fait 2020, là, au moment où il y avait la pandémie de la Covid-19, au moment où il y avait la crise financière, normalement, la facture des importations alimentaires qui était de 7,317 milliards de dollars en 2019, il y a une hausse. Mais 7,317, 7,363 millions de dollars. Donc, nous avons dépensé pratiquement plus d'argent pour continuer à acheter de la nourriture depuis l'étranger. Allez, je te fais un mot, mais il n'y a absolument rien changé. Qui n'est d'où le tableau? Je vous donne le tableau de ce que nous avons importé. Fiqa fil wa fiqa ya jma'a. ثقة في الأرقام إحنا يا من حبوش نهضرو بلا أرقام. On va faire, il y a deux tableaux qui nous résument un peu les importations algériennes des produits alimentaires et des produits agricoles. Hamlik les deux tableaux. Hadou c'est des tableaux encore une fois c'est des chiffres officiels. أنا ما يشتهر بال je n'ai pas inventé ces chiffres. Hamlik les chiffres officiels récoltés par la direction des services, par les services des douanes algériennes, à travers la direction des études et de la prospective. Donc, c'est les chiffres officiels confirmés par l'État algérien. Nerdo, le premier tableau, parce que la facture des produits alimentaires, qui est 7,3 milliards de dollars,
Nous allons l'analyser ensemble et vous allez voir que c'est total, que ces deux tableaux nous apprennent beaucoup de choses. Alors, nous allons voir par exemple qu'est-ce qui a augmenté en 2020. Bon, je vais réduire. Nous allons par exemple, avant d'entrer le halib ou le blé, nous allons voir les fruits et légumes. Regarde. L'Algérie, dans son histoire, malgré que le désert compose 84 millions ou la 84% de son territoire national, nous avons une bande côtière qui est très grande. Nous sommes le plus grand pays d'Afrique et pendant le colonialisme français, les terres agricoles algériennes pouvaient nourrir la France et exporter des produits agricoles en grande quantité vers la France. Il y a même des images d'archives qui montrent comment les colonialismes français exploitaient le potentiel, la fertilité des terres algériennes pour nourrir la France. À l'époque, Rome appelait l'Algérie ou la Numidie le grenier de Rome, tellement on pouvait développer l'agriculture dans cette partie de l'Afrique du Nord. Malheureusement, aujourd'hui en 2020, n'est-ce par exemple la facture des fruits, elle a augmenté de pratiquement 12%. L'Algérie, en 2020, elle a dépensé plus de 273 millions de dollars, pratiquement 274 millions de dollars pour importer des fruits, que ce soit des fruits frais ou les séchés. Il y a une fakia. Sarfna 274 millions de dollars pour importer, باش نخلصوها من الاتranger, باش نشرو fakia. Les importations des fruits ont augmenté de plus de pratiquement 12%, 11,79%. T'es bon le 15 juin. Galek, j'arrête l'importation des fruits qui sont produits en Algérie. Agda, comment ça se fait que nous avons un pays vaste, que nous avons énormément de terres et que nous avons créé un office qui est chargé du développement de l'agriculture saharienne et à qui nous avons donné un budget? Et à qui nous avons donné un budget de fonctionnement et un budget d'investissement? Et à qui nous avons confié la mission de développer l'agriculture industrielle dans toutes les terres sahariennes? Et nous sommes le pays le plus grand en Afrique.